Je voulais parler aussi à la jeunesse de Salutis. Vous les jeunes de l'armée du salut. Contrairement à ce que vous croyez, nos responsables Salutis ne trouveront jamais des solutions pour vous. Pourquoi je le dis? Le peu de postes qu'il y a dans l'armée de salut, le peu de postes, ils mettent leur makangu, neveux, frères, sœurs, cousins. Voyez-vous, faites bien la recherche, vous allez voir nombreux dans les centres de santé. Partout, il y a des institutions salutistes à Brazzaville. La majorité, c'est les membres de leur famille qui sont là. Mais vous, les jeunes, vous qui allez passer toute la journée, toutes les journées au poste, à ne rien faire, soyez entreprenants. Soyez entrepreneurs. Je m'adresse à la jeunesse des salutistes du Congo-Brazzaville. Soyez entreprenants. C'est-à-dire, dans mes vidéos précédentes, j'avais commencé par vous parler, vous, les jeunes. Vous êtes dans les postes en train de vous disputer pour des petits postes. Oh, chef un tel, oh, moi, chef, oh, moi. Ça, c'est un perte de temps, les jeunes. Regroupez-vous 5, 6, 7. Réfléchissez ce que vous pouvez faire ensemble. J'avais donné un exemple. Nous, quand on grandissait à ma tour là-bas, ma Makelele, il y avait un papa qui faisait des petites baguettes, des petits pains traditionnels. Ce pain-là, je vous assure, quand vous arrivez là le matin, il y avait la queue. À l'époque, je fréquentais Auguste Vitine. Donc, il fallait passer par là, acheter un petit pain. Vous pouvez manger en pleine route jusqu'à l'école. Mais si vous vous regroupez 3, 4, 5 et que vous avez des idées comme ça, avec 50 000 francs, avec 100 000 francs, il y aura toujours des gens qui vont s'intéresser sur ce que vous voulez faire, qui peuvent vous aider aussi. Les jeunes. Vous qui venez en France, il y avait une vidéo que j'avais placée à l'époque dans ce sens-là. Vous qui venez en Europe via Campus France, c'est bien. C'est bien. Faut venir, c'est bien. C'est bien. Mais, si vous venez avec une licence en philosophie, si vous venez avec une licence en sociologie, si vous venez avec une licence en géographie ou histoire, géographie, qu'est-ce que vous allez faire avec ici en France? Qu'est-ce que vous allez faire avec ces diplômes-là ici en France? Rien du tout. Rien du tout. Par contre, si vous êtes infirmier et vous êtes un agent technique de la santé, facilement, facilement, quand vous venez approfondir vos études ici, dès que vous sortez, vous avez un métier facilement aussi, vous pouvez avoir des papiers, des résidents pour rester dans ce pays-là. Si vous venez avec une licence en électricité, facilement, vous pouvez trouver du travail ici. Si vous venez ici pour faire les études en génie civil, devenir ingénieur en bâtiment, ingénieur mécanique. Ça, c'est le côté où il y a encore des emplois. On appelle ça les métiers de demain. Vous venez ici avec des licences en informatique. Ça, c'est des secteurs où il y a encore des ouvertures. Mais si vous suivez votre parcours là de bac général, oh, j'ai une licence en géographie, en histoire, je ne sais quoi, quoi. Ça, ici, déjà, faut disqualifier ça. Faut disqualifier ça. Parce que ici, les métiers de demain, c'est l'informatique surtout. Sokoza, médecin, si tu es infirmier, tu viens ici, tu as forte chance que si tu es bon en génie civil, si tu es bon ingénieur
on design, ce que vous appelez dessin, ceux qui dessinent les croquis de voitures et tout, on les appelle les designers. C'est ça ce côté-là où il y a des ouvertures. Mais, voyez la biseau, bac général, là, ouaté, licence son histoire, géographie, tu vas faire quoi avec? Vous les jeunes, là, vous les jeunes, vous êtes faciles à manipuler dans les postes. Il suffit qu'on dise que non, mais tu deviens chef de jeune chanteur, chef de... Bah, tu penses que tu as déjà atteint le haut niveau. Mais pense à ton avenir, à toi. Parce que tel que ce parti-là, notre armée de salut-là, ils ne vont pas créer des emplois pour vous les jeunes. Il n'y en aura pas. Allez au Congo démocratique. Allez au Congo démocratique, rien qu'à côté là, allez voir chez les autres. Voilà pourquoi la dernière fois, je vous avais dit, vous prenez un officier de l'armée du salut congolais Brazzaville, vous prenez un officier de l'armée du salut du Congo démocratique, il n'y a pas match, il n'y a pas faute. Il n'y a pas match, il n'y a pas faute. Et j'insiste pour vous les jeunes. Entreprendre ne demande pas avoir des millions. Non. Entreprendre, vous pouvez commencer une histoire. Je vous ai raconté une histoire à moi, vous les jeunes. Je fréquentais le lycée. J'étais photographe. J'étais, si vous voulez, un marchand ambulant. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est vrai. Il y a des moments, je partais vers Boko là-bas, j'achetais les maniocs que je venais vendre à Brazzaville. C'est tout ça qui avait financé mon voyage. J'étais photographe. Je partais à Poto-Poto chez les Ouara là-bas, chez les Sénégalais. J'achetais les montres en quantité. Je venais à Kinkala, j'ai déposé dans chaque bureau et la fin du mois, je collectais les sous. Donc j'étais déjà autonome, autonome depuis la classe de troisième. J'étais autonome. Depuis la classe de troisième, j'étais déjà autonome. Parce que j'ai fréquenté à l'Inzolo aussi. Quand j'ai fini la troisième à l'Inzolo, je suis parti au lycée de Kinkala. Donc soyez entreprenants. Frappez les portes de votre avenir. Vous êtes en face de votre conscience. Quand tu as déjà 30 ans à Brazzaville, c'est dur. On ne sait pas demain qu'est-ce qu'il faut faire. Mais soyez 5, 10, 10, formez un groupe. Raisonnez, réfléchissez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que... Il y a des gens à Brazzaville qui ont commencé avec les fermes à domicile. Moi, ils ont 5 poules, 10 poules, et aujourd'hui, c'est des gens qui ont maintenant 20, 30 poules. Il y a des gens qui ont commencé une petite ferme avec 2 moutons. Aujourd'hui, c'est toute une capitale. Au lieu d'aller passer chaque fois le temps au poste, ils ne feront rien pour vous, les jeunes. Ils ne feront rien pour vous. Ce groupe-là qui est en train de détourner les sous de l'armée de salut ne pense jamais à l'avenir des jeunes. Vous allez aux répétitions, vous rentrez, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut que tu manges. Tu ne sais pas si à la maison, maman a eu un morceau de Nzinga ou encore des petits légumes. Les jeunes, la jeunesse des salutistes, ne soyez pas aveuglés par le fanatisme. Ne soyez pas aveuglés par le fanatisme. Vous qui allez à l'école, apprenez les métiers, la maçonnerie, l'électricien, la mécanique. Tout ça, la peinture, tout ça, vous pouvez être bien dans votre vie ici en Europe. Je dis bien en Europe. Donc votre bac général là, ça n'a aucun sens ici. Vous qui êtes en train de faire l'option banque, je ne sais pas quoi là. Bon, entre guillemets, vous pouvez y avoir aussi de la chance. Vous qui faites droit là, faites plutôt droit d'affaires. Droit d'affaires. Le pénal, oui. Le machin, oui. Mais droit d'affaires. Droit d'affaires. Soyez bilingue. Boyez kolaba, ba langue. Apprenez l'anglais. Apprenez, comment on appelle ça? La langue chinoise là. Le nom m'échappe. Apprenez l'espagnol. Soyez, enfin,
apprenez plusieurs langues. Parce que dans d'autres pays, on ne parle pas français. Dans d'autres pays, on ne parle pas français. Donc, hein, il y a des pays, quand vous parlez l'anglais, quand vous parlez mandarin, c'est-à-dire chinois, vous parlez espagnol, vous pouvez vous en sortir. Au lieu d'aller passer votre temps dans les postes là, ou même eux-mêmes là, ne pensent qu'à leur famille, à leurs enfants. Ne soyez pas une jeunesse utilisée par des bêtises. Soyez pas une jeunesse utilisée par des bêtises. Eux, ils ont placé, ils ont envoyé, ces chefs-là que vous voyez là, leurs enfants viennent ici. Ce chef-là de l'armée, leurs enfants viennent ici. Ils préparent leur avenir. Et vous qui allez passer toutes les journées là-bas, vous qui allez passer toutes les journées dans les postes, vous avez quoi au retour? Donc réfléchissez, surtout, surtout, soyez concentrés dans la prière, la vraie prière. Pas kimbiri kimbiri. Pas kimbiri kimbiri. Dans la vraie prière, regroupez-vous 10, 15, 20. Pensez qu'est-ce qu'on peut faire. Achetons deux moutons. Essayons de voir ce que ça va donner. C'est ça. À suivre.